Bonsoir et merci d'être venu si nombreux pour ce sujet un peu austère. Je vais commencer par citer un poète, et c'est une citation qui malheureusement est intraduisible en japonais, je le crains. Il s'agit de Jacques Prévert, qui écrit ceci: « Le monde mental ment monumentalement ». Ce vers nous rappelle que l'être humain est un être bidimensionnel qui, comme les animaux, a les pieds sur terre, mais qui a aussi la tête dans le ciel, et qui dès lors se trouve toujours menacé de perdre pied avec la réalité et d'être emporté par le vertige de ses représentations mentales. Et instituer la raison humaine, c'est amener chacun de nous à accorder la finitude de notre existence physique, physiologique, avec l'infinitude de notre univers mental. Autrement dit, instituer la raison, c'est nous apprendre à distinguer dans le monde de nos images mentales, qui tout à la fois nous relie et nous sépare du monde physique, à distinguer ce qui relève de la réalité, du possible et du fantasme. Cet apprentissage que chacun de nous a dû faire enfant et qui jamais ne s'achève vraiment est indispensable pour sortir du solipsisme de sa vie subjective et partager avec nos semblables une même représentation du monde qui nous permet de communiquer avec eux, je dirais qui nous permet d'échanger des paroles plutôt que des coups. Et la condition première de cette communication est de se soumettre à la loi de la langue, c'est-à-dire de se référer à des symboles qui nous sont extérieurs et qui s'imposent à nous. Alors seulement, nous pouvons participer à ce qu'on peut appeler des assemblées de paroles, comme celle de ce soir, dont la démocratie désigne un type particulier. La démocratie, comme toute assemblée de paroles, suppose que ses membres partagent une même référence normative, même référence normative qui, dans le cas de la démocratie, n'est pas seulement langagière, mais aussi morale et économique. Je viens d'employer ici le mot de référence. Qu'est-ce que ça veut dire que la démocratie, comme toute assemblée de paroles, suppose de se référer à une même structure linguistique? Eh bien, la référence désigne en linguistique autre chose qu'une simple indexation des choses, qu'une collection de signaux indicateurs. Si vous regardez dans un parc un rond rouge avec un signe, une tête barrée et une main qui tend, vous comprendrez, ça veut dire ne pas nourrir les animaux. Ce signe, tout le monde peut le comprendre, quelle que soit sa langue, mais il a un sens et un seul. Donc, nous sommes avec ces signaux dans l'ordre du binaire. Alors que, dans le cas de la langue, la référence est d'abord référence à une structure symbolique, et cette référence est nécessairement partagée par les locuteurs pour qu'ils puissent se comprendre. C'est ce qu'a exprimé le grand linguiste Émile Benveniste, qui a écrit donc ceci. Je remercie M. Hashimoto d'avoir traduit quelques-unes de mes images. Dans l'énonciation, écrit Benveniste, la langue se trouve employée à l'expression d'un certain rapport au monde. La condition même de cette mobilisation et de cette appropriation de la langue est chez le locuteur le besoin de référer par le discours et chez l'autre la possibilité de co-référer identiquement dans le consensus pragmatique qui fait de chaque locuteur un co-locuteur,
la référence est partie intégrante de l'énonciation. Ce qui veut dire que le lien de parole, là où un indice réfère à un objet naturel, la langue réfère à un système de signes. Donc la référence au sens linguistique, ici employée par Benveniste, ne désigne pas la référence directe d'un mot à une chose, mais la commune référence à un système symbolique susceptible d'exprimer toute espèce d'expérience réelle ou imaginaire. Et cette référence, avec un grand R, est une condition du langage, mais elle ne tombe pas sous les sens, ou, pour le dire autrement, ce qui garantit le sens échappe à nos sens. La communication linguistique n'est donc jamais binaire, mais toujours ternaire, car elle suppose pour advenir des locuteurs qui se réfèrent à un même système symbolique. Et avec ceux d'entre vous qui ne parlent pas français aujourd'hui, l'absence de cette possibilité de co-référer est palliée par la présence de nos interprètes que je tiens à saluer ici et qui nous permettent de co-référer par l'intermédiaire des interprètes. Donc cette ternarité engage les hommes dans ce que l'on peut nommer, au sens premier du terme, une logique de l'interdit. Alors, cette graphie évocatrice, au lieu d'écrire « interdit » en un seul mot, d'introduire un tiret, c'est « interdit », ce qui est dit entre les gens. C'est une graphie qui a d'abord été avancée par Lacan. Elle signifie que la référence, pour échanger des paroles, est un tiers obligé qui tout à la fois s'interpose et relie les locuteurs, c'est-à-dire au sens propre, est une source d'interdiction. Si les interprètes m'y autorisent, je donne juste un petit exemple juridique pour vous montrer ce que ça veut dire. En général, les économistes considèrent que les contrats, c'est une opération binaire entre deux personnes. Nous, juristes, nous savons que c'est nécessairement une opération ternaire, car pour pouvoir nouer un rapport d'obligation, nous devons nous référer à une même règle qui est l'obligation de respecter sa parole. Donc cette ternarité, elle est commune à toutes les institutions, à commencer par la langue, mais c'est aussi l'une des caractéristiques de l'ordre juridique. Donc si vous avez bien voulu me suivre jusqu'à présent, vous comprendrez pourquoi les sociétés humaines ne sont pas réductibles à des troupeaux et les communautés politiques à un vivre ensemble. Dans la longue histoire des pauvres humains, ces interdits ont été le plus souvent imposés au plus grand nombre par un petit nombre, dont le pouvoir reposait sur la religion, la tradition, ou plus rarement, plus brièvement, sur la force seule. Tel est le cas des régimes aristocratiques, monarchiques ou despotiques dont la science politique s'est employée à faire la nomenclature depuis Aristote jusqu'à Montesquieu et à nos jours. Dans tous ces régimes règne l'hétéronomie, c'est-à-dire que les règles de vie sont imputées à des dieux ou à des hommes qui jouissent d'un statut supérieur aux autres. Et la démocratie est née d'une pratique plutôt rare, mais dont les Grecs, la Grèce ancienne, n'ont nullement eu le monopole, qui consiste pour des hommes libres, je dis des hommes là au sens historiquement, les femmes n'ont pas eu voix au chapitre, c'est le sens technique du terme, qui consiste donc pour des hommes libres d'une société donnée à s'assembler pour décider ensemble et sur un pied d'égalité des affaires communes. Dans ces assemblées, on discute en fait de deux choses. De ce qui est, il faut commencer par s'accorder sur ce qui est.
quel est l'état aujourd'hui de la dangerosité de l'industrie nucléaire, par exemple. Et ensuite, on s'assemble pour discuter de ce qui doit être. Quelles règles devons-nous adopter compte tenu de la représentation commune que nous avons de ce qui est. Dans de telles assemblées, chacun a le droit de contribuer à l'édiction de la norme en contredisant éventuellement le point de vue de ses pairs. Autrement dit, la démocratie a nécessairement ce qu'on appelle une dimension agonistique. Nécessairement, elle ouvre un droit à la contradiction, mais même si je contredis un autre citoyen, c'est parce que lui, comme moi, nous cherchons à établir ce qui est et ce qui doit être. La relation reste ternaire. Les recherches comparatives qui ont été impulsées par Marcel Détienne ont montré que la pratique démocratique d'assemblée de parole se retrouve dans des époques et des lieux divers. Ce n'est pas, encore une fois, un monopole des Grecs anciens. Mais au-delà de leur diversité, tous ces cas présentent quelques constantes. Premièrement, l'institution d'un lieu du politique où l'on s'assemble, assemblée de parole. Deuxièmement, des procédures réglées pour débattre. Troisièmement, on débat sur un pied d'égalité. Quatrièmement, on débat de questions d'intérêt commun. Et cinquièmement, on prend des décisions qui s'imposent à tous. Et le grand antiquisant Jean-Pierre Vernant, dans des pages magnifiques, a décrit la dimension spatiale du débat démocratique ainsi conçu. Il l'a fait dans le cas grec. Lorsqu'ils s'assemblent, les citoyens forment un cercle. Ils sont à égale distance du cercle. Ils ont un droit égal à la parole, en grec « iségoria ». Et symbolisé par un sceptre, le pouvoir est mis au centre, en mezzo en grec, ce qui désigne aussi le milieu et la mesure. Il est mis au centre du cercle qui est formé par ses semblables. Et celui qui veut parler s'avance, saisit le sceptre, signifiant ainsi le statut public des paroles qu'il va prononcer. Et lorsqu'il a terminé, il repose le sceptre et reprend sa place. Et sa parole cesse d'être publique pour redevenir privée. Voilà cette description. Je conseille à tous la lecture de Vernon. Alors, depuis ses origines antiques jusqu'au tournant néolibéral, la démocratie avait toujours été pensée comme une construction institutionnelle fragile qui possède deux faces complémentaires. Tout d'abord, une face objective, ce sont les institutions de la cité, et d'autre part, une face subjective, c'est l'institution des citoyens. Donc, au plan objectif, la démocratie sépare et articule soigneusement trois institutions qui ont chacune leurs règles propres. Premièrement, l'assemblée politique, qui est la sphère de la délibération de l'intérêt public. Deuxièmement, le marché, qui est la sphère de la négociation des intérêts privés. Et troisièmement, le sacré, au sens juridique premier du mot « religio », qui ne désignait pas du tout chez les Romains un sentiment intérieur, mais c'est simplement la soumission à des règles, un respect commun de ce qui est sacré dans la cité. Religio, c'est la sphère d'une référence dogmatique qui est tout à la fois source de sens et garante du crédit de la parole, que cette parole soit commerciale sur le marché ou qu'elle soit politique dans l'assemblée publique. Cette troisième dimension, qu'on peut appeler religieuse ou dogmatique, saute aux yeux lorsqu'on observe le plan des cités grecques ou des villes franches médiévales, mais elle est en général inaperçue par la science politique contemporaine.
voyez sur le plan de l'Athènes classique, l'Agora, place du marché, la Pnyx, place de l'Assemblée politique, l'Acropole, ce qu'on voit le plus, ce qui reste le plus quand vous allez à Athènes, c'est la place du sacré. Et si vous regardez les villes médiévales où va réapparaître la démocratie dans le cas européen, ici c'est la ville de Sienne, dont je recommande la visite à tout le monde, car c'est superbe. Et vous pouvez distinguer, alors je n'ai pas de pointeur, mais devant la tour qui se trouve là, c'est le palais public, et c'est la place de l'Assemblée politique. De l'autre côté, en bas de l'image ici, c'est la place du marché, et en haut à gauche, c'est la place du dôme. Donc on retrouve cette articulation entre négociation des intérêts privés, délibération des affaires publiques et référence commune à un espace sacré qui correspond à la notion de référence que j'ai indiquée en commençant cet exposé. Cette dimension religieuse de l'institution de la cité incite à ne pas prendre pour argent comptant la thèse selon laquelle la démocratie irait de pair avec une sécularisation du politique. Ou, pour le dire en des termes le plus précis, la thèse selon laquelle l'autonomie collective pourrait se constituer indépendamment de toute hétéronomie. De même que la liberté de parole, la liberté politique requiert l'hétéronomie d'une référence qui s'impose à tous. Et le maître mot de toute démocratie est l'isonomie, le droit égal de prendre part à la délibération des lois. Mais cette isonomie dans la sphère publique est placée sous l'égide de ce que le digeste, qui est aux juristes occidentaux ce que la Bible est aux religieux, nommera pour définir le droit public les choses sacrées. Et là, je fais une toute petite incidente, cette référence au sacré n'a nullement disparu de nos constitutions modernes. Si vous prenez la Constitution américaine ou la Déclaration d'indépendance, il y est question de vérités évidentes en elles-mêmes, donc c'est un énoncé purement dogmatique. Si vous prenez la Constitution française, on vous parle tout de suite de droits inaliénables et sacrés, quelque chose auquel on ne doit pas toucher. Dans le cas de la Constitution allemande, le constituant lui-même ne pourrait pas toucher ni le principe de dignité, ni le principe de démocratie. Il y a donc de l'intangible, du sacré, vous voyez, au sens très large, là, du mot « religio », au sens romain du mot « religieux ». Donc, tout ça, ça concernait l'institution de la cité. Correspondent à cela des conditions subjectives qu'on peut appeler l'institution des citoyens. Ainsi conçue, en effet, la démocratie exige, pour perdurer, l'existence d'un démos, d'un peuple de citoyens, dont les membres réunissent trois conditions qui correspondent chacune à l'une de ces dimensions objectives que nous venons de voir dans l'institution de la cité. Trois conditions constitutives de la démocratie. Premièrement, chaque citoyen doit avoir une formation et une éducation qui le rend capable de distinguer l'intérêt public et l'intérêt privé. En effet, le citoyen, il va avoir à prendre la parole dans l'espace public, je vous ai dit tout à l'heure, il se saisit du sceptre. À ce moment-là, sa parole devient publique et il est censé s'exprimer en ayant en considération l'intérêt général et non pas son simple intérêt privé. Deuxièmement, les citoyens doivent avoir une indépendance économique par le travail, en sorte qu'ils ne soient pas séparés de trop grandes inégalités de fortune, ni asservis les uns aux autres. Et troisième, alors cette seconde condition a été particulièrement importante chez les révolutionnaires français et américains, je vais y revenir. Troisièmement, une éthique de la vérité, c'est-à-dire le courage de dire ce que l'on pense et de se confronter aux pensées des autres, dans des assemblées de parole qui visent à s'accorder, encore une fois, sur ce qui est et sur ce qui doit être.
Cela vaut bien sûr d'une assemblée politique générale, mais ça vaut de n'importe quelle réunion de professeurs dans une université. Il faut avoir le courage de dire ce que l'on pense et d'opposer sa parole à celle des autres. Alors, quoi qu'elle soit structurellement liée, je reprends rapidement chacune de ces trois conditions qui sont autant de composantes de ce qu'une longue tradition a nommé la vertu civique et qu'on pourrait qualifier de dimension subjective de la démocratie. Commençons par la première, c'est-à-dire l'éducation, ce que les Grecs nommaient la paideia. L'éducation entendue non pas au sens d'une accumulation de connaissances, mais au sens de la formation morale. La pratique du débat démocratique est une école de l'argumentation rationnelle. C'est un lieu où l'argument d'autorité doit céder devant l'autorité de l'argument. Et tout à la fois, elle suppose et contribue à entretenir chez ceux qui y prennent part la capacité de distinguer utilité privée et utilité publique et de faire prévoir l'utilité publique sur l'utilité privée. Et cette éducation a pour modèle le service de l'intérêt général et non l'enrichissement personnel. Les Grecs auraient trouvé répugnante l'idée de donner en idéal aux jeunes la figure des milliardaires. Ce point sera souligné bien des siècles plus tard par Montesquieu. Montesquieu distingue, vous le savez, les trois grands types de gouvernement, le monarchique, le despotique et le républicain, qui reposent chacun sur un principe, le monarchique sur l'honneur, le despotique sur la crainte et le républicain sur la vertu. Et donc, chacune de ces formes de gouvernement doit, pour se maintenir, inculquer, selon Montesquieu, ce principe recteur à la jeunesse. Et cet impératif est particulièrement grand pour le gouvernement républicain. Il écrit ceci, « La vertu politique, ce n'est pas tout à fait le début, hein, c'est le second alinéa, la vertu politique est un renoncement à soi-même qui est toujours une chose très pénible. On peut définir cette vertu, l'amour des lois et de la patrie, cet amour demandant une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulières, elles ne sont que cette préférence. Tout dépend donc d'établir dans la République cet amour, et c'est à l'inspirer que l'éducation doit être attentive. » Donc, première condition fondamentale de la démocratie, c'est une éducation qui n'est pas référée simplement à un principe d'utilité, par exemple aujourd'hui, aux besoins du marché du travail tel qu'on se les représente, mais aussi à une éducation de la capacité d'argumenter, de distinguer son intérêt privé et l'intérêt public. Deuxième condition requise du citoyen, ils doivent avoir une autonomie économique par et dans le travail. Alors ça, on le retrouve dès vraiment la proto-démocratie grecque et les réformes de Solon. Ça se passe il y a longtemps, hein, c'est en 594-593 avant l'ère chrétienne. Et c'est à cette époque que se fait jour l'idée que le travail indépendant est une base nécessaire à la citoyenneté des moins fortunés, et cette idée n'a cessé d'être réaffirmée durant toute l'histoire des institutions démocratiques jusqu'au XXe siècle. Et cette nécessité de mettre la démocratie à l'abri de la domination des plus riches a notamment puissamment animé les pères fondateurs des démocraties françaises et américaines, qui entendait faire advenir non pas le capitalisme, mais un peuple de petits travailleurs indépendants. Fidèles à Rousseau, les révolutionnaires français opposaient à la main invisible du marché la souveraineté de la volonté générale et à l'appétit de richesse le culte de la vertu. Alors voilà ce qu'écrit Rousseau. Le pauvre Rousseau, s'il revenait aujourd'hui, il serait très mélancolique. Il importe extrêmement de ne souffrir dans la République aucun financier par État, moins à cause de leurs gains malhonnêtes qu'à cause de leurs principes
et de leurs exemples qui, prompt à se répandre dans la nation, détruisent tous les bons sentiments par l'estime de l'abondance illicite et de ses avantages, couvrent de mépris et d'opprobre le désintéressement, la simplicité, les mœurs et toutes les vertus. Alors Rousseau n'était pas le seul philosophe français à penser de la sorte. Montesquieu, par exemple. Montesquieu, on le cite toujours pour sa défense des vertus civilisatrices du doux commerce. Mais, curieusement, on cite moins la suite de son texte dans l'esprit des lois, car si, en effet, Montesquieu fait la théorie du doux commerce pour civiliser les rapports entre les nations, il en dénonce les méfaits dans les relations entre particuliers. Là encore, c'est le deuxième paragraphe qu'il faut lire. Si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales. Les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent. Et pour éviter cet excès, les lois, dit Montesquieu, doivent, je cite, « diviser les fortunes à mesure que le commerce les grossit, en sorte que les pauvres puissent et que les riches doivent vivre de leur travail. » On peut le lire, ce passage. C'est très beau, il écrivait bien. Hein. C'est une époque où les gens prenaient le temps, il n'y avait pas de machine à traitement de texte, d'ordinateur. Alors, pour maintenir l'esprit de commerce, il faut que les lois divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir. Donc, de Jefferson à Eisenhower, en passant aux États-Unis par Brandeis, le grand juriste Louis Brandeis, ou Roosevelt, le travail indépendant a toujours été perçu comme la meilleure école du self-government, et l'accaparement du pouvoir politique par la puissance économique a toujours été perçu, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, comme un danger mortel pour la démocratie. Roosevelt y reviendra dans son dernier discours, appelant à l'adoption d'un Second Bill of Rights en janvier 1944. Je fais une petite incidente sur ce discours parce qu'on prétendait que l'enregistrement avait été perdu. Et en réalité, ce discours, si vous le lisez, préfigure toute la seconde partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est-à-dire, c'est une liste, alors je l'avais à l'audio, nous n'avons pas le temps de l'écouter, mais il annonce la liste des droits économiques, sociaux et culturels qui devront être repris. Et vous savez que c'est son épouse, Eleanor Roosevelt, qui va jouer un rôle déterminant dans l'adoption de cette déclaration. Et voilà ce que dit Brandeis. Roosevelt. Il dit « Nous en sommes arrivés à clairement réaliser le fait que la vraie liberté individuelle ne peut pas exister sans sécurité » et indépendance économique. Les hommes dans le besoin ne sont pas des hommes libres. Ceux qui ont faim et sont au chômage sont la substance dont sont faites les dictatures. Alors, je pourrais faire un commentaire assez long de ce court texte. Ce qui est entre guillemets, les hommes dans le besoin ne sont pas des hommes libres, c'est une citation d'un arrêt de common law du XVIIIe siècle. Alors, notez au passage, Roosevelt est un homme cultivé. De Gaulle a eu l'occasion de dire que la première école du commandement, c'est la culture générale. Bon. Donc il tient à adosser son discours sur une certaine tradition historique de la common law. Et notez aussi les deux exigences. On ne peut pas avoir de vraie liberté individuelle sans sécurité économique, mais aussi sans indépendance économique. Ce sont deux choses différentes. Et cette tension a été au cœur du New Deal américain. Et ce sont des questions qui retrouvent une grande modernité. La troisième condition requise des membres d'une société démocratique, c'est une éthique de la vérité.
Et c'est cette éthique que Foucault, interprétant le théâtre classique des Grecs, a nommé du mot grec la parésia, qu'on peut traduire par le dire vrai. Mais il y a une bonne parésia, c'est le dire vrai, qui se définit par opposition à la mauvaise. La mauvaise, c'est celui qui donne l'impression de vraiment de parler très franchement, qui prend l'apparence d'un discours vrai, mais pour mieux tromper le public. C'est ce qu'on pourrait appeler le parler cru des démagogues, mais aussi cet abus de la parole qui a été dénoncé par le juriste italien Vico au XVIIIe, comme ce que Vico appelait la barbarie de la réflexion et la calomnie de la vérité, c'est-à-dire le parler faux des sophistes qui sont animés non pas du souci de la vérité, mais de celui de séduire les masses par des discours captieux. C'est ce que l'on désigne ces dernières années par un mot qui a été consacré par l'Oxford Dictionary Word of the Year 2016, le post-truth politics, la politique de la post-vérité. Alors Foucault n'est pas le premier à avoir souligné l'importance de cette dimension subjective, de la dépendance du bon fonctionnement des institutions démocratiques à leur intériorisation par les hommes qui ont le courage de les faire vivre. Et Foucault redécouvre ici le rôle nodal de ce que, de Cicéron à Vico et Montesquieu, toute une lignée de juristes ont nommé les vertus civiques et dont la liste a été dressée par Cicéron. Alors je vous passe la liste complète, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. La parésia étudiée par Foucault, c'est la veritas latine, c'est la dernière de la liste. C'est une vertu indispensable au fonctionnement des assemblées de parole qui sont régies par un droit égal et qui sont la substance des institutions démocratiques. Parler de vertu, comme le fait cette tradition, a le mérite de souligner que les citoyens doivent être individuellement et collectivement animés par le parler vrai pour que la démocratie fonctionne. Animés, c'est-à-dire éduqués, institués, dans le respect de la vérité et en capacité économique de l'exprimer. En réalité, la parésia n'est donc pas, contrairement à ce qu'écrit Foucault, mais enfin je ne veux pas rentrer ici dans une controverse avec Foucault, en plus il n'est plus là pour répondre, mais il écrit, elle est indépendante par rapport à la politeia, c'est-à-dire indépendante par rapport au cadre juridico-institutionnel de la démocratie. En fait, Foucault a toujours été mal à l'aise avec la question juridique et il dément lui-même cette idée d'indépendance en commençant par observer très justement que, je cite, « la parésia est quelque chose dont la place est garantie et définie par la politeia ». Pour dire les choses plus simplement, il faut souvent, presque toujours, du courage pour parler vrai dans une assemblée démocratique. Encore une fois, que cette assemblée soit politique ou une assemblée professionnelle, etc. Mais ce courage n'est pas le même que celui exigé du conseiller du prince, du résistant à l'occupation, ou du dissident soviétique ou prisonnier du goulag, tel qu'il a été immortalisé par Chalamov dans les récits de la Kolyma. Vous voyez, on s'aperçoit que même dans les sociétés démocratiques, même des gens qui ont un statut qui leur permet de dire tout ce qu'ils veulent, ils sont souvent très peu courageux. Ils se taisent. Ils viennent vous dire à la fin de la réunion « Ah, vous avez bien fait de dire ça, mais pourquoi est-ce que tu t'es tu, imbécile ?» Mais là, ils ne risquent rien. Alors, quel courage faut-il lorsque ce cadre institutionnel n'existe pas ? C'est ce que nous décrit Chalamov. La scène que je vais vous citer ici, vous savez que Chalamov a passé plus de la moitié de sa vie au goulag, donc ses récits sont tirés de son expérience personnelle. Dans ce cas, le risque que l'on court en parlant vrai, c'est la mort. Et la vertu requise n'est pas seulement la veritas, mais aussi la vindicatio, si je reprends ma liste, c'est-à-dire le courage non seulement de parler vrai, mais d'intervenir en défense pour dénoncer l'injustice. La scène qu'il décrit se passe de nuit. Chalamov est aligné dans la cour du camp pour un interminable appel dans le froid sibérien. À ses côtés, un autre prisonnier, épuisé,
s'est effondré par terre. Il a le visage en sang. Les soldats le frappent à coups de bottes pour l'obliger à se relever. Et voilà ce que décrit Chalamov de ce qu'il ressent. Soudain, une vague de chaleur m'envahit. Je compris que toute ma vie allait se jouer maintenant, que si je ne faisais pas quelque chose, je ne savais pas très bien quoi, je serais venu pour rien avec ce convoi, j'aurais vécu pour rien mes 20 ans. La honte de ma propre lâcheté qui me brûlait les joues me quitta. Je l'ai sentie devenir toute froide, alors que mon corps se faisait tout léger. Je sortis des rangs et déclarai d'une voix qui se brisait « Je vous défends de battre cet homme ». Alors, vous voyez que nourri par son expérience du goulag, le génie de Chalamov nous donne ici à ressentir ce que veut dire l'institution du sujet, l'incorporation par lui d'une vertu dont l'exercice acquiert une valeur existentielle. Il nous donne aussi à comprendre réciproquement le processus de désinstitution à l'œuvre dans un univers concentrationnaire où l'être humain se trouve méthodiquement dépouillé de sa qualité de sujet de droit et poussé à abdiquer toute espèce de vertu. Alors, sans même évoquer des situations aussi extrêmes, il est assez évident que le courage exigé pour parler vrai n'est pas le même dans des institutions non démocratiques. Et là où il y a un rapport de dépendance ou de subordination, il ne peut pas y avoir iségoria, droit égal à la parole. Et dès lors qu'on écarte ce contexte institutionnel, qu'on voit dans l'individu le seul agent du parler vrai, on est conduit à penser faussement l'entreprise, par exemple, comme sur le modèle d'une politéia démocratique, et le risque est alors de faire de la négociation collective un instrument de soumission collective. Je vais terminer avant de venir à la crise moderne, qui me prendra 10 minutes environ. Mais vous voyez que pourquoi j'ai dit en commençant que la démocratie était une construction institutionnelle fragile ? Parce que suspendue à la vertu de ses membres, elle est exposée à des risques spécifiques qui ont été diagnostiqués par Vico, déjà cité, dans les dernières pages de sa Science nouvelle. Vico admire la grandeur de ce qu'il nomme les républiques populaires, dans lesquelles, dit-il, les peuples entiers qui veulent en commun la justice édictent des lois justes. Mais la pratique démocratique de la délibération, pour lui, est une école de la raison. Il y voit d'ailleurs l'origine de la philosophie moderne, parce que c'est ce qui a conduit ces peuples à donner une base plus philosophique que proprement religieuse à l'ordre social. Mais de telles républiques sont admirables, mais leur pérennité repose sur la vertu de leurs citoyens. Et au moment même où elles touchent la plus grande réussite politique et matérielle, elles sont exposées à ce que Vico nommait donc la barbarie de la réflexion, qui consiste à user de l'abstraction, non pas pour mettre à distance ses passions et ses intérêts et tenter de s'accorder sur une vue objective du monde, mais pour calomnier la vérité, dit-il, et servir n'importe quelle cause pourvu qu'elle aille dans le sens de ses intérêts particuliers. Voilà, alors lisez les dernières pages de la Science nouvelle. C'est pas facile à lire le reste, mais les 10-15 dernières pages. S'émancipant alors du sens commun, ce qu'il appelle des doctes insensés s'emploie à disqualifier l'idée même d'intérêt général ou à le subordonner à la recherche des utilités privées. Bon, je ne peux pas lire ces lignes, moi, sans penser à la doctrine Law and Economics, hein, je suis désolé, ce qui consiste à dire qu'on doit analyser toute règle de droit par rapport à un calcul d'utilité privée. À mes yeux, l'analyse de Vico s'applique très bien à cette doctrine. Selon Vico, les républiques atteintes de ce mal voient leurs citoyens se désintéresser de l'utilité commune et, écrit-il, s'éteint en elles la force qui avait amené les individus à sortir de leur solitude première. Alors, dit-il, les peuples se décomposent et chacun sombre dans une apathie civique et une solitude morale dont il dresse un tableau saisissant. Je vous le lis rapidement. En dessous, c'est l'original italien. C'est du napolitain, les Italiens m'ont dit qu'ils ne comprenaient rien. Ces peuples se sont accoutumés comme des bêtes
à ne penser à rien d'autre qu'aux propres utilités particulières de chacun et ont atteint le dernier degré des jouissances raffinées, ou pour mieux dire de l'orgueil, à la manière des animaux sauvages qui, au moindre déplaisir, s'offensent et deviennent féroces. Ainsi, au milieu de la plus grande affluence et de la foule des corps, vivent-ils comme des bêtes farouches dans une profonde solitude des sentiments et des volontés, et à peine peut-on en trouver deux qui s'accordent, puisque chacun suit son propre plaisir ou son caprice. Alors, dans cet état de décomposition, la puissance politique est asservie à celle de l'argent, ouvrant la voie à des démagogues qui font le lit de guerre civile, en sorte, écrit Vico, que les hommes tombent d'une liberté parfaite à une tyrannie parfaite. Alors, c'est seulement l'expérience de ce retour à ce qu'il appelle la barbarie des sens qui peut les amener à retrouver le sens des vertus civiques. Ce diagnostic, nous allons le voir pour terminer, est de grande actualité. Donc nous allons tout à fait changer de décor, j'en viens au droit positif contemporain. Et pour terminer, à parler de ce qui me paraît être un processus de désinstitution de la démocratie. Les bases dogmatiques de la démocratie que je viens d'exposer ont été renversées à compter des années 70 par l'analyse économique du droit, qui a conduit à assimiler la démocratie à, je cite, un marché des idées, market of ideas. En 1975, le père de la doctrine Law and Economics, Richard Posner, a décrit l'élaboration de la loi comme un processus marchand. Alors, vous connaissez peut-être Posner, les spécialistes, mais il ne faisait que mettre en œuvre une idée avancée l'année précédente, en 1974, par Ronald Coase. Ronald Coase, c'est un des prix dits Nobel d'économie, qui, dans un article séminal, très cité, publia un article qui s'appelle « The Economics of the First Amendment, the Market for Goods and the Market for Ideas ». Selon Coase, il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux types de marchés, le marché des marchandises, le marché des idées. Il faut donc user des mêmes outils économiques pour décider des politiques publiques à leur égard. Cette assimilation de la démocratie à un marché des idées a depuis lors été consacrée par la Cour suprême des États-Unis à partir de ses arrêts Buckley et Bellotti, qui sont des arrêts qui datent de 1976 et 1978. Toutefois, cette assimilation de la démocratie à un marché des idées est restée cantonnée jusqu'à un arrêt qui est assez fameux, qui est l'arrêt Citizens United de 2010, qui en a tiré toutes les conséquences logiques. Et donc, pour terminer, je vais vous exposer un cas qui est le cas Citizens United. Cette affaire concernait une association à but non lucratif, mais lourdement financée par des intérêts privés, qui avait un budget de l'ordre de 12 millions de dollars annuels, qui souhaitait diffuser gratuitement à l'occasion des primaires démocrates de 2008 un documentaire intitulé « Hillary », qui était en fait une charge contre la candidate Hillary Clinton. En fait, sous l'empire de la loi en vigueur à l'époque, qui était la loi McCain-Feingold, les entreprises avaient le droit de soutenir certaines opinions politiques, mais elles ne pouvaient directement intervenir pour ou contre un candidat déterminé dans la période précédant les élections. Leur intervention dans ce contexte devait donc prendre la forme de comités ad hoc, dont les dépenses étaient limitées et le fonctionnement surveillé par la Federal Election Commission. Donc, vous voyez, on était dans un cadre juridique, on dit il faut éviter que l'argent mette la main sur la démocratie. Donc, on avait fixé des limites maximum à l'investissement de sommes par les grandes entreprises. Ce sont ces limites que se contentait de contester l'association Citizens United. Mais les cinq juges conservateurs de la Cour suprême, Justice Roberts, Alito, Scalia, Thomas et Kennedy, se sont saisis de cette affaire pour interdire toute espèce d'intervention
sur le marché des idées, autres que des obligations de transparence. La Cour suprême a consacré dans cet arrêt les deux principes inhérents à l'analyse économique de la démocratie comme un marché des idées. Premier principe, c'est l'équivalence entre une quantité d'argent et une quantité d'idées. Il y a l'idée que toute réduction de la quantité d'argent dépensée à des fins de propagande politique vaut réduction de la quantité d'expression politique et est donc présumée restreindre le nombre des sujets discutés, la profondeur de leur discussion et l'ampleur de l'audience atteinte. Deuxième principe, c'est l'égalité de traitement des sociétés commerciales et des personnes physiques en matière de liberté d'expression. Sur ce point, l'arrêt Citizens United a renversé la jurisprudence qui avait été antérieurement posée, qui imposait une analyse fonctionnelle de la personnalité morale. Oui. Je fais juste une petite incidente pour dire il y a derrière ça un sujet sur lequel on pourra revenir. C'est l'économie moderne repose sur un ensemble de fictions juridiques. Bon. Et l'une de ces fictions, c'est que les sociétés commerciales seraient comme des êtres humains. On dit que ce sont des personnes comme les autres, elles ont les mêmes droits que les autres. Alors, la jurisprudence antérieure de la Cour suprême disait elles n'ont de droits comme les autres que dans la mesure où ces droits sont nécessaires à remplir la fonction qui justifie leur création par le législateur. Et c'est ces limites que va faire voler en éclats l'arrêt Citizens United. Voilà ce que disent les juges. Indépendamment du but ou de l'effet de dispositions réglementaires, le gouvernement peut enfreindre la Constitution lorsqu'il use de la loi pour désigner des locuteurs privilégiés. En s'arrogeant le droit de retirer le droit de parole aux uns, ça c'était les sociétés commerciales, pour le donner aux autres, le gouvernement prive les personnes ou les catégories défavorisées, donc les catégories défavorisées, ce sont les multinationales, du droit de s'exprimer pour s'efforcer d'établir la valeur, le statut et le respect des opinions exprimées. Alors, dès lors, vous voyez, toute restriction de l'expression dans le débat public des sociétés commerciales constitue une censure qui est incompatible avec les dispositions du premier amendement de la Constitution américaine, dont vous savez que c'est l'amendement qui garantit la libre parole. D'où le renversement de la jurisprudence antérieure, qui était connue sous le nom de la jurisprudence Austin, qui avait au contraire autorisé le législateur à limiter les dépenses des entreprises privées dans les campagnes électorales. Et voilà ce qu'écrit, quelle est la doctrine actuelle de la Cour suprême. L'arrêt Austin, donc, qui justifiait les limitations de défense, perturbe le libre marché des idées protégé par le premier amendement. Il autorise le gouvernement à bannir l'expression politique de millions d'associations de citoyens. La censure à laquelle nous avons aujourd'hui affaire a un large champ d'application. Le gouvernement a muselé les voix qui représentent le mieux l'intérêt économique national. Donc, vous voyez ici, la Cour suprême n'hésite pas à affirmer que la voix des grandes entreprises est celle qui représente le mieux l'intérêt économique national, cela après avoir évoqué le principe d'égalité pour leur reconnaître les mêmes droits d'expression que les citoyens ordinaires. Aucune différence ne peut donc plus être faite entre la voix d'un simple citoyen et celle d'une entreprise, mais il faut tout de même bien reconnaître que la voix des entreprises est la meilleure. C'est ce que les canonistes auraient appelé la major pars. On pourrait aussi le dire avec les mots d'Orwell dans La ferme des animaux. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Donc, vous voyez qu'apparu dès 1919, sous la plume de juristes comme le très fameux Justice Holmes, l'assimilation de la démocratie au marché a pu se nourrir paradoxalement du New Deal. En effet, celui-ci a été porté par la croyance dans une croissance illimitée qui serait une sorte de moteur économique de l'histoire dont l'État social pouvait se servir pour concilier
concentration du capital et justice sociale. La dogmatique économique a ainsi acquis la position de surplomb qui est devenue la sienne sur la scène juridique. Et cette dogmatique économique confère à son tour une légitimité scientifique à l'assimilation des idées et des croyances à des produits en concurrence sur un marché et à la définition de la démocratie comme un régime qui doit préserver de toute espèce d'intervention législative la conception et la circulation de ces produits. Dès lors, la sphère du marché absorbe celle du politique, c'est ce qu'on appelle le marché électoral, et elle absorbe aussi la sphère du sacré, c'est ce que la Cour suprême appelle le marché des religions. Et la figure du citoyen s'estompe au profit de celle du consommateur. L'éthique de la citoyenneté qui était faite d'éducation, d'indépendance dans et par le travail ainsi que de respect de la vérité perd toute espèce de sens. Donc le statut particulier, et je termine là-dessus, qui était celui de la parole politique dans toutes les expériences démocratiques, c'est-à-dire d'une parole censée exprimer une certaine représentation du bien public et non la défense des intérêts privés, eh bien, ce statut n'a plus de raison d'être. En effet, toutes les paroles se valent a priori sur le marché des idées et réduire la quantité d'argent qu'on peut y investir serait réduire la liberté de parole. Dès lors, la démocratie laisse place à ce que Colin Crouch a nommé la post-démocratie, c'est-à-dire un régime qui n'assujettit plus la sphère économique au principe de liberté et d'égalité des citoyens, mais qui assujit au contraire la sphère politique au libre jeu des lois de l'économie. Je vous remercie de votre attention. デモクラシーというものの、制定の問題、まあ、それがあの市営なのですね、大変美しい街の写真で、非常に鮮やかに示されましたけれども、議会、まあ、言葉の場所とですね、市場が、まあ、そして宗教的な、まあ、聖なるものというですね、そういうものに、まあ、準拠しながら、構成されているというですね、まあ、その、3つの関係が、まあ、主体的な面にも関係している、まあ、ここがあのアラン・シュピオ先生の議論の非常に重要な点だと思いますけれども、主体、各個人一人一人がですね、まあ、教育によって、まあ、私的なものと公的なものを区別する力を持つこと、まあ、そして、経済的な、自立というものを確立すること、まあ、さらには真実を述べるというですね、まあ、そういう勇気というものを得るという、まあ、そういう主体の形成あるいは主体の制定というものと、国家の制定デモクラシーの制定というのが非常にあの主体的な面と制度的な面が非常に対応しているという、お話が非常に重要な点かと思いますが、まあ そのそういったお話をしていただきました、まあ、そしてそれが非常に、なんて言いますかその脆いというかですねあの非常に、壊れやすいものであって、まあ、それが現代の、市場中心的な考え方によっていかに脅かされているかといった問題まで、踏み込んでくださったと思います、はい、それではですねあの、ディスカッサントのですね西谷先生に、コメントの方をいただきたいと思います。西谷先生よろしくお願いいたします。結構大変なお話で、あの皆さんもだいぶなかなか十分理解するのが難しかったんではないかと思うんですね。で今橋本さんが簡単に要点だけ言ってくれましたけれども、ちょっとすみません通訳の方あの全然テキストにないことなんですけれども、多分今日の話のね難しさっていうのはどこにかかってるかっていうと、この今日の考察というか分析というのはこの法学の中でもなされないし、
政治学の中でもなされないし、社会学の中でもなされない、経済学の中でもなされない。そうではなくて、そういった今分割されたさまざまなディシプリンといいますか、社会科学、まあ、特に社会科学ですけど、社会科学のにディシプリンとして分割されたディスクールの中では問題にされない、そこを扱っているからなんですね。それでその問題にされないことっていうのが、今日のお話の論理展開の中で一番要だった三項関係っていうテグナリテっていうことなんですね。で、一般の社会科学の中では、現代の社会科学の中では、その三項目っていうのは見えない形になってるんです。排除されてるんですね。で、なぜかっていうと、大体はA と非 A というのを区別する、分割するんですね。それで A がありますから、こちらは非 A ですって言ったときに分割線があるんです。この分割線があるっていうことに誰も気がつかずに、 A と非 A を並べて考えるわけです。これが社会科学のやり方で、でも実は A と非 A との差異、区別を可能にしている、そういうディスクールを可能にしているものは何かというと、この A と非 A と分かつこのものなんですね。で、これがいわれる2つのこと、つまり A と非 A との間にある線なんです。で、これが先ほど出てきたアンテルディっていう言われることの間で、それがこれを見落とすことで制約されたディスクール、自然科学的な、あるいは社会科学的なディスクールっていうのは成立してるんです。で、アランさんが一番注目するのは、その見えない三項目、つまり A と非 A、その境、これがね、A と非 A との違いを成立させている。で、そこが第三項なんです。で、これがリフェランスなんです。これがリフェランス。で、そこのところを見落とすと、で成立しているのが大体普通の観点で、で、それは別の言葉で言えば、それがディマンション・ドグマティックっていう、ドグマ的次元ということです。で、ということなんですけど、これはもうだから原稿にないですから、通訳の方大変なんでね、原稿に従って簡単にコメントさせていただきますけれども、うん、これは直接は今日のシピオさんの講演の中身に関することではなくて、その今日話されたことと、もうちょっと一般的にすごく分かりやすいこととの橋渡しのようなことだけちょっとお話ししようと思うんですね。だから、ある種のイントロダクション、アントロダクション、アラン・シュピオみたいな感じでのお話をちょっとだけさせていただきます。で、まあ、だから今言ったことでも、もうすでにお分かりかと思いますけれども、ある意味では、まあ、アラン・シュピオさんは労働法の専門家であるわけですけれども、この、シュピオさんの展開するディスクールそのものっていうのは、その一般的な法学の枠組みを出てしまうっていうか、むしろ一般的な法学を成り立たせているこの絨毯そのものを問うっていう、そういうことになります。
で、彼の今のコレージドフランスでの、まあ、この前、ついこの前最終講義をやられたんですけれども、コレージドフランスでの講座名は、エタソシアレモンディアリザションアナリズジュラディックでソリダリテというそういうタイトルを持ってたんですね。あの一応訳せば社会国家と世界化で連帯の法的分析っていうことです。これどういうことかって言いますと、まあ、エタソシアルっていうのは、まあ、普通はエタドプロビダンスとかあるいはエタソシアリストとかね、社会主義国家とかね、あるいは福祉国家とかそういうものとちょっと関連付けられる、まあ、言い方なんですけれども、あの国家、日本では国家っていうそのエタっていうのに結びつけてます。エタっていうのに ソシアルっていうのを結びつけてるわけですね。で、だからそれは、まあ、エタナシオンとかね、あるいはエタなんとかやらで、どういう形の国家かっていうそういう言い方の一つのバリエーションになるわけですけれども、そのエタソシアルっていうのがモンディアリザシオンと併置されているわけです。で、これ普通考えますとね、政治学的に考えると世界化が起こって、あるいはグローバリゼーションが起こって国家に対して経済が優位に出てきたと、だから国家の、ね、主権が制約されてというような議論と結びつけられると思うんですね。もちろんそれもありますけれども、ここで特徴的なのはシュピオさんがグローバリゼーションという英語由来の言葉を使っているのではなくて、フランス語でわざわざモンディアリザシオンと言っているんです。普通の、まあ、普通のっていうか一般的にはね、もうほとんどフランスでも英語が通用するようになってますから、だから普通だとグローバリザーションということになるかもしれないんですけど、あのシュピオさんはわざわざモンディアリザーションっていうのを使ってる。これは別にシュピオさんがね、あのすごくやっぱりナショナリストで古典時代以来のリルストラシオンドラランファンセーズっていうフランス語の兼用という立場からモンディアリザーションっていうフランス語、あの世界化っていうことを使っているわけでは全くなくて、まあグローバル化という、そのグローバリザーションという英語ので言われる用語がですね、まさに英語が使われるっていうこととパラレルに全世界のこう一元化、とりわけ市場を通して一元化されてユニフォーグミゼされていくというそういう状況のことを言うのではなくて、ちょっとやっぱり違ったことを言いたいと。つまり、グローブっていうのは、まあ、地球ということですけど、ルモンドっていうフランス語の表現の中には人間が生きる世界っていうそういう含みがあります。だからモンディアリザシオンというふうに言うと、そうでないものをモンドにしていくっていうそういう動きですね。で、ということはっていうか、だからそこはね、人間の生きる世界にしていくっていうそういう含みがあるわけです。うん、だからそうすると、英語のグローバリザーションとね、だいぶあのニュアンスが違ってきます。で、もうあえて言うならっていう、ね、ちょっと図式化して言いますと、ここで私昔あのエドワード・グリスさんとあのちょっと一緒にやったことがあるんですけれども、そのグリスさんがその時に取り上げたのが「いつの原理」と「他の原理」っていうことで、それで、いつの原理っていうのは世界を普遍化し全てを均質化していくという、そして一つの原理で世界を、まあ、統御していくと、そういう傾向のことだと。で、それに対して他の原理っていうのはそれぞれね違うものがあって、
その違うものが複合的に結びつく。そしてそれのこう複合的な連鎖としてね、世界があるというふうになると、これはグローバリゼーションじゃなくて、彼はまあクレオリザーションというふうに言いましたけど、まあ、そこまで言わなくてもね、少なくともこの地球全体が人間の住みうる世界になっていく、そのためにはいろいろな要素の関連とか複合っていうのを認めないといけないわけです、うん、だからモンディアリザーションというと、そういう、まあ、含みがあると思うんですね。そしてそこでの原理が、そこでの原理が、うん、何ですか、ただ単に結びつけることではなくて、そうじゃなくてソリダリテっていう、それがそれぞれの、まあ一つのユニットを個が形成するとしたら、個と個を結ぶのも、あるユニットとユニットを結ぶのも、それが関係がソリダリテだっていうことです。で、そのソリダリテのあり方を法的に分析しようという、これがコレジットフランスでの講座の、まあ、タイトルで、実際それが、まあ、中身なわけです。で、だから、そういう意味合いでね、そういう意味合いで、の中でまた法っていうことも考えてみないといけないと。で、まあ、だから一般的にはまあ法学っていうと、で、実は法学って法律といっても、だから今言ったようなことっていうのは、実は法学の問題というよりも、むしろ昔から哲学や政治哲学が問うてきたことなわけです。で、だからそれで法学っていうのはね、ヨーロッパでは近代に入ってからは実用の学問というふうにして見られてて、それで理屈は立てるんです、その実用法をどうやって使うかというね。で、それはレゾンヌマンって言いますよね。で、けれども法がね、なぜあるのかと、どう働くのかって、我々がどうその法によってね作られるのかっていうようなことを、その根本のね、なぜっていうことを問うたときに、法への問いは根拠の問い、つまりね、理性の問いになるわけです。だからレゾンが問われるわけです。で、シュピオさんの発想というか、シュピオさんの今の仕事の展開はね、そういう法のレゾンを軸にしていろんな問題を考えていくと。そして西洋の政治学の歴史、あるいは政治思想の歴史、あるいは法学の歴史、あるいは宗教の歴史のさまざまなテキストもね、その観点から読んでいくと。で、そうすると小説もそれで読めるわけです。だから今日のようなね、さまざまなリフェランスが出てくるっていう、そういうことになると思うんですね。で、次にね、アランさんが労働法をやってるっていうことの意味をもう一つ考えてみたいと思うんですけど、日本で労働法っていうと、なんか法学の中の特殊な法の領域だというふうに、まあ思われがちなんです。で、労働組合とかね、いわゆる労働者の権利とか、そういうことに関わるような。で、けれどもね、考えてみればちょっと不思議なんですよね。なぜ近代のこう法学のシステムの中にね、まあ、憲法はもちろんありますけど、民法があり、刑法があり、から公法があり、まあ、公法って行政法ですよね。で、もちろん商法はあります、コマースのね。で、それで労働法ですって言われると、あれ、なんで労働法がここに入ってるんだろうって、ちょっと分かりにくいですよね。でも、これはね、フランス語だとルドゥワドゥトラバイユっていうわけです。
けれども、これはね、le droit social って言った方がもっとずっと分かりやすい。それで、日本語では法律に関して、例えば le droit っていうのをね、二つに訳し分けます。で、一つは法律って訳します。法学部は la faculté du droit です。で、もう一つは権利って訳します。で、これはどうして同じ言葉にね、こんな二つの言葉を当てはめたのかっていうと、明治期に西洋の知識あるいは西洋の制度を導入するときに、これ一緒に一つのこととしたらちょっととんでもなくなると、世の中に混乱を起こすっていうんで、全く違ったものっていうふうにして分けて訳したわけですね。で、じゃあこの区別はもともとのルドゴアっていう言葉にないかっていうと、そんなことはないです。そうじゃなくて、向こうに区別があって、で、ルドゴアシュビジェクティフっていうのとルドゴアオブジェクティフっていうのがあります。だからルドゴアシュビジェクティフっていうのはね、これはその法に関わる主体から見たそのルドゴアです。で、そしてルドゴアオブジェクティフっていうと、その主体を統御する規則体系っていうか、そういう局面から見たとき、ルドゴアオブジェクティフっていうわけです。で、だから主体的にはね、これ権利なんです。で、そして客観的に言えば、これは法律として存在すると。で、まさにこれが一人一人の生きた人間を社会と結びつけているわけです。そして主体を限定し、限定すると同時にね、子としてこういう権限があるんだよというふうな立場にするわけです。で、同時にそれがこれはやってはいけないよという形に、社会の中につなぎ止める役割するわけですね。これがルドゴアなわけです。だからルドゴアって考えるというのを考えるときに、実はそれが先ほどのアンテゴディって言ったときの真ん中のダッシュのようにね、まさにそういうふうに機能していて、あるいは A と非 A との境のように機能していて、こちらから見れば権利なんです。で、他の方から見ると客観的な法律っていうことになります。うん。で、そうするとこのルドゴアっていうのはね、このルドゴアっていうのは主体として社会に結びつける、そういう蝶つがいのようなものです。うん。で、そして近代の産業社会ではね、産業化された近代ではね、私たちは何らかの形で仕事を持たないと生きていけません。仕事を持たないと社会から排除されてるってことになります。自給自足で生きることもね、あるいは奴隷にしてくれって言ったって今では奴隷禁止されてますから、奴隷でもないわけです。そうするとどこかで働き口を得て、それでそこで給料をもらって、そして生活していくっていう、これが万人の基本的な生活形態です。だから失業っていう言葉があります。で、失業っていう言葉はね、近代になって初めて出てきた言葉です。だから江戸時代にもね、もうヨーロッパ中世でもね、誰も失業なんて言わないですよ。うん。だって職があるかどうかっていうのが全然そのことは人間のステータスにあまり関係なかったですから。けれども産業化された世界では、そしてその産業が市場によって動かされていく世界では働き口を持つっていうのは社会に生きる、社会にインテグレートされる、
一人一人の人間が社会の中に統合される最初の条件です。で、そのことをだからドゴアっていうわけです。で、だから働くことができることっていうのは、これドゴアソシアルフォンダメンタルっていうわけです。最も基本的な社会権っていうことになるわけです。で、この場合社会権っていうわけですね。社会法じゃないです、社会権です。で、そしてこの産業化された社会では、その働く権利っていうのがね、どうしても雇用っていう形を取らざるを得ない、だから雇用っていうのも非常に重要なことになります。で、その雇用を得て人は社会で生きる最初の条件が得られると。で、そしてそれが産業社会の中ではルドワ・デュ・トラバイユっていう、そういう形を取るわけです。これが労働法っていうわけですね。だから労働法の専門家であるっていうことはね、近代社会での人間の存在条件の法的ベースっていうのをまず考えるっていうことなんです。だから法からね、人間の存在全般について考えるっていう仕事をどうしてもやるようになる。で、逆に言えば労働法っていうのは、その一見言うともう狭い、それからちょっとしみったれた領域のように見えるんですけどね、もうひょっとすると憲法より重要かもしれない基本的な、あの、法の、近代の法のあり方の、法の、なんていうのかな、生きる人間にとってのね、法が何たるかっていうことを考えるのに一番重要な箇所なんですね。で、まあそうすると労働っていうことの訳語についても考えないといけないんですけど、まあその訳語についても置いておきましょう。それでちょっと大変ゆっくりやりましたので、あの、もうそれでそろそろやめろって言われてるんですけど、でね、あの、実は、それでこの労働法が非常に重要になったのがね、第一次大戦以降なんです。で、なぜかというと、こういうことの認識がなかったから戦争が世界化しちゃったんです。で、全体戦争が世界化しちゃったんです。それはね、二度も繰り返されます。だから国際連盟、国際連合っていうのができますけれども、その中で一番重要な機関とされたのが ILO なんです。国際労働機関なんです、で、だから、そしてその国際労働機関がね、あるいはそこでその国際労働機関のマニフェストになったフィラデルフィア宣言っていうのがありますけど、これが世界戦争後の人間社会のレジームの、ね、原理として提起された。で、それがグローバル化以降全面的にというか完全に掘り崩されているわけです。で、あたかもこの高度に発達した技術経済産業社会で、社会が近代以前の状況に戻るかのように、人間社会の全般的な階層化っていうのがだーっと進んでるんですね。そのメカニズムの核心について今日お話しいただいたっていうことだと思います、ということでちょっと長くなりましたけど。